Bonsoir, rebonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV et Radio de Vie, dans votre, bienvenue dans votre émission, il est minuit dans l'horloge de Dieu et merci Seigneur pour l'œuvre à laquelle tu nous as appelés, merci pour ton nom qui est glorifié, merci pour toutes ces âmes Seigneur que tu délivres, que tu éclaires dans les nations et que toute la gloire Jésus revienne à toi et à toi seul. Au nom de Yeshua, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous te prions, Père de gloire. Amen. Alors, rapidement, nous sommes dans Ecclésiaste, effectivement. Je ne sais pas comment vous avez su que c'était le passage qu'on allait lire. Comment vous l'avez su, l'équipe technique? C'était déjà préparé? Ok. Samedi, j'en avais parlé. Effectivement, donc vous êtes à la page. Et merci Seigneur. Là, c'est une belle surprise, en tout cas. De voir votre spontanéité, voilà, que Dieu soit béni. Et alors, nous allons parler justement de ce passage d'Ecclésiaste, chapitre 11, à partir du verset 1er. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais point quel mal viendra sur la terre. Quand les nuages sont pleins, ils répandent la pluie sur la terre. Et quand un arbre tombe, au sud ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui prend garde au vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuées ne moissonnera pas. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de celle qui est enceinte, ainsi tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Sème ta semence dès le matin et ne laisse pas reposer tes mains le soir, car tu ne sais pas lequel sera le meilleur, ceci ou cela, et si tous deux seront pareillement bons. Il est vrai que la lumière est douce et qu'il est agréable aux yeux de voir le soleil. Mais si un homme vit de nombreuses années, qu'il se réjouisse et qu'il se souvienne des jours de ténèbres qui seront en grand nombre. Tout ce qui lui arrivera est vanité. L'Ecclésiaste, le roi Salomon, nous a bien conseillé ici. Et comme vous le savez, c'était un homme qui a accompli beaucoup de choses, qui a réalisé plein de projets. Et arrivé à la fin de sa vie, après avoir expérimenté toutes sortes de choses, il le dit lui-même dans le chapitre 1er, après avoir épousé 700 princesses et pris 300 autres femmes, en tout 1000, après avoir construit des palais, plusieurs maisons, et, des grands jardins, et après avoir, mes amis, donné à son cœur, après avoir donné à son cœur tout ce qu'il désirait, Salomon, à la fin de sa vie, s'est aperçu que beaucoup de gens avaient du mal à produire des fruits, beaucoup de gens avaient du mal à porter des fruits, beaucoup de gens avaient du mal à marquer leur génération, tout simplement parce qu'ils passaient leur temps à observer, ils prenaient trop garde au vent et ils ne s'aimaient pas. C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas poser des actes selon Dieu qui allait produire des fruits. Des fruits qui allaient perdurer. Et il a observé certainement tous ces gens, qu'il a certainement côtoyés, qui avaient des potentialités, qui avaient des grâces, qui avaient des talents, mais qui n'ont pas pu produire des œuvres. Qui n'ont pas pu, mes amis, accomplir de grandes réalisations, tout simplement parce qu'ils passaient leur temps à regarder au vent. Et ils n'ont pas eu le temps de s'aimer. Je ne parle pas de ceux qui enseignent aux gens d'aller semer financièrement. Je ne parle pas de cette semence-là. Je parle
de poser des actes selon Dieu. Par exemple, en évangélisant, en formant les gens, en adorant le Seigneur, en craignant Dieu et en répondant correctement à l'appel que le Seigneur nous a adressé. Ces personnes, Salomon les a regardées, certainement il les a approchées ou ils l'ont approché et il s'est rendu compte que, eh bien, ils ne faisaient rien. Ils passaient leur temps à observer, à regarder le vent et à regarder les nuées. Alors, regardez le vent, les nuées. D'abord, parlons du vent. Et on va rapidement voir dans les textes, on sait que le mot vent vient de rouac, hein, et rouac qui donne en français haleine ou encore souffle ou vent, hein, ou esprit. Et mais là, il est question vraiment du vent, le vent et qu'on ne peut pas saisir, hein, pas le vent de Dieu, mais le vent des hommes. Parce que, et vous savez, il y a des vents comme ça qui viennent, des vagues, des propos, parce que rouac signifie aussi haleine. Haleine, bien sûr, on sait tous ce que c'est une haleine. Et c'est quand les gens aussi s'expriment, quand les gens parlent, que l'on peut sentir leur haleine, n'est-ce pas? Donc, observer le vent, hein, prendre garde au vent, c'est prendre garde littéralement aux propos des hommes. Voilà ce que l'Ecclésiaste voulait dire concrètement. Alors, on va vérifier le texte, bien sûr, massorétique, hein, hébreu. Et donc, c'est, voilà, tout en bas. Et donc, le chapitre 11, bien sûr, on va voir le verset. Le verset 4. Voilà, on y est là. Merci Seigneur. Donc là, on retrouve rouac, effectivement. Et donc, haleine, vent et esprit. Et donc, on voit bien que. Ici, là, il est vraiment question, c'est pas l'esprit de Dieu. Un roi qui ne signifie pas nécessairement l'esprit de Dieu. Ça peut être aussi un esprit démoniaque. Mais dans le contexte ici, il est question de la laine. Il est question des propos des hommes. Parce que quand on parle, eh ben, c'est du vent, hein. Donc, celui qui prend garde au vent, c'est-à-dire littéralement, celui qui s'arrête au dire des autres, celui qui prend garde au dire des autres, ne va jamais s'aimer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire il ne va jamais bâtir l'œuvre que le Seigneur lui a confiée. Il ne va jamais répondre à son appel, littéralement. Pourquoi ? Parce que c'est du vent, hein ? C'est du vent. Les paroles des hommes, tout ça là, c'est de la laine, c'est du vent, ça ne peut pas détruire l'œuvre que le Seigneur t'a confiée. Voilà. Mais si tu prends garde à ce que les gens disent, si les gens, par exemple, mon frère, ma sœur, se mettent à dire que tu ne vas jamais avancer, que tu es un sorcier, que tu es un méchant, que tu es ci, que tu es ça, eh ben si tu t'arrêtes leurs propos, eh ben tu ne vas jamais faire l'œuvre. Tu vas être tellement déçu, tellement blessé, que tu vas te focaliser sur eux. C'est pour cela, mes amis, il ne faut jamais, jamais prendre garde aux propos des hommes. Regardez une fois Yeshua, notre maître. Il allait ressusciter l'enfant de quelqu'un, hein, un homme dont l'enfant était morte. Et sur le chemin, mes amis, il y a une femme qui perdait son sang, qui était condamnée. Et cette femme, certainement, avait écouté aussi les propos des gens. Et pendant des années, elle a écouté les hommes. Et qu'est-ce qu'elle a eu ? Elle n'a eu aucun soulagement. Et si elle écoutait toujours les gens, elle n'allait même pas toucher le Seigneur. Parce que personne ne voulait, surtout les gens qui entouraient le Seigneur, personne ne voulait qu'il soit touché. Mais cette femme ne s'est pas arrêtée au dire des hommes. Regardez aussi le Seigneur lui-même. Quand on est venu dire à cet homme dont la fille était morte, malade, extrêmement malade, les gens sont venus dire à cet homme, ne
n'importune plus le maître parce que ta fille est morte. Et le Seigneur nous dit quoi? Le Seigneur a dit à cet homme de ne pas tenir compte de ses propos. Voyez? Donc ça veut dire que ce ne sont pas les hommes qui décident sur votre vie. Ce ne sont pas les hommes par leurs propos, par leur dire, qui vont déterminer ton avenir. Pas du tout. Qui est un homme? Qui sont ces hommes? Ils vont s'associer, ils vont se liguer contre toi, ils vont se mettre ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils sont jaloux, tout simplement. Parce que tu deviens le centre de leur discussion, l'objet de leur discussion. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi, tout simplement, mon frère, ma sœur, toi qui pleures, toi qui es combattu. Je voudrais ce soir juste exhorter les enfants de Dieu, hommes ou femmes, qui sont persécutés, qui se posent des questions parce qu'ils traversent une période difficile, parce qu'ils se disent peut-être que Dieu n'est plus avec moi, parce que sinon il n'y aurait pas autant d'épreuves, autant de combats. Je voudrais simplement les rassurer de la part du Seigneur et les encourager à ne plus s'arrêter, à ne plus prendre garde aux propos des hommes, aux menaces des hommes, mais à se focaliser sur ce que Dieu leur dit, ce que Dieu vous dit, ce que sa parole vous dit. Et là, mes amis, donc je crois que nous avons des gens en ligne, hein, ils peuvent réagir ou appeler, il n'y a pas de souci. Donc si c'est pour intervenir, pas de problème, on peut les recevoir et les prendre en direct, il n'y a pas de problème. Donc là, on nous dit que celui qui prend garde au vent, c'est-à-dire qui prend garde à la laine des hommes, qui prend garde aux propos des hommes, ne va jamais semer, ne va jamais travailler, parce que nous sommes des missionnaires, tous en tant que chrétiens. Nous travaillons dans le champ du Seigneur, dans la moisson du Seigneur. Le Seigneur a dit quoi dans Luc chapitre 10? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc nous sommes des moissonneurs, nous sommes des ouvriers de la dernière saison, de la dernière saison, les ouvriers de la fin de temps. Donc nous avons la semence avec nous. Nous sommes censés, comme cet homme qui plantait la semence, qui a planté cette semence dans quatre sortes de terrains. Donc nous sommes, mes amis, des planteurs. Nous sommes des gens qui ont la semence, la parole. Et on doit planter cette parole dans les cœurs des enfants, dans les cœurs des hommes et des femmes que Dieu nous fait rencontrer. Mais si vous vous arrêtez sur les dires des hommes, sur les critiques, sur leur méchanceté, parce qu'ils sont jaloux de vous, parce qu'ils vous suivent de près pour dire des choses sur vous, alors que hier ils acceptaient ces choses-là, aujourd'hui parce qu'ils ont été démasqués, ils commencent à parler. Si vous vous arrêtez sur eux, vous ne ferez jamais l'œuvre du Seigneur. Voyez, c'est des jaloux. On ne peut critiquer que ceux et celles que Dieu utilise. Voilà. Donc c'est pour cela que il faut pas s'arrêter sur ces choses-là, mes amis. Il faut continuer. Et hein, donc ne vous arrêtez pas sur leurs paroles, leur haleine, leur vent, leur parole. Hein, ce souffle-là qui sort de leur bouche sur contre vous. Ne vous arrêtez pas là-dessus. Continuez à planter. Continuez à planter, vous êtes des planteurs, vous avez la semence, continuez à planter dans le champ du Seigneur. Voilà. Allô, bonsoir. Ah, la personne a raccroché. Donc, continuez à planter, vous avez la semence avec vous, et gardez la semence, et continuez à planter, continuez à semer, et continuez à planter la parole que le Seigneur vous donne au nom de Yeshua. Qu'est-ce qu'on apprend également là? On a vu également, mes amis, dans les Écritures, dans toutes les Écritures, on a vu des hommes et des femmes qui ont marqué leur temps, qui ont répondu correctement à l'appel du Seigneur. C'était ces hommes et ces femmes qui faisaient le travail, comme Néhémie, qui ne s'arrêtait pas sur les combats, sur les menaces, mais qui travaillait. Et on a vu des gens comme Esdras, on a vu des gens comme Paul, comme Pierre, comme Jacques, comme Jean, et qui continuait, même en prison, à planter, à planter, à planter, à planter, à faire avancer le royaume. Et c'est ce qu'il faut, mes amis, faire, et c'est ce que Dieu nous demande à faire. Et il fut un temps où, effectivement, personnellement, je m'arrêtais sur le vent. Oh, pourquoi un tel a dit ça? Pourquoi un tel a dit ça? Et un jour, Dieu m'a dit, mais tu ne vas jamais faire l'œuvre. Ce ne sont pas ce que les gens pensent, ce que les gens disent qui va changer ma pensée sur toi, mon appel sur toi, ma décision sur toi, hein, mes décisions. Et il faut faire le travail. Et je m'aperçois, effectivement, en faisant le travail, en allant en mission, en Nouvelle-Calédonie, au Canada, États-Unis,
en Europe, partout, eh bien, des âmes sont guéries, des âmes sont libérées, des âmes sont baptisées, des vies sont transformées. Et je me dis, Seigneur, mais c'est terrible. Et des BD, comme vous voyez, sortent, hein, tout ça, des choses se font. Je me dis, mais Seigneur, mais il y a des choses à faire. Et comme là, ce soir, on a vu ces deux jeunes femmes qui partent en mission en Chine. Vous voyez, je me dis, mais Seigneur, mais il y a tellement de choses à faire, tellement d'âmes à sauver, que perdre une heure sur des propos des hommes, c'est perdre son temps inutilement, alors que la parole nous dit de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Vous voyez? Et Satan sait qu'il a très peu de temps, donc il veut nous voler notre temps. Allô, bonsoir. Oui, allô? Oui. Oui, bonjour, frère Chora. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis une sœur de Toulouse. Je suis nouvellement convertie, en fait, et je suis très encouragée par votre enseignement. Gloire à Dieu. Oui, et que merci beaucoup, et je vous encourage, et que Dieu vous bénisse, et Dieu vous fortifie aussi, parce que le message me touche vraiment, et que, voilà, ça me fortifie encore plus à continuer avec le Seigneur, et que, voilà, gloire à Jésus. Merci, ma sœur. Bonne continuation. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, mes frères et sœurs, rappelez-vous bien de cette histoire. Cet homme, mes amis, qui était aveugle. Je pense que tout le monde connaît cette histoire. Et regardez, nous sommes dans Luc chapitre 18 à partir du verset 35. Luc chapitre 18 à partir du verset 35. Regardez cette histoire. Regardez comment cet aveugle, comment il s'est comporté. Or, comme il approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Et entendant la foule qui passait, il demanda ce que c'était. Et on lui dit, c'est Jésus le Nazaréen qui passe. Alors il cria, disant, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Donc cet homme avait une vision. Cet homme voulait atteindre un objectif. C'était quoi? Eh ben recouvrir la vue. C'était ça, sa vision. Il fallait qu'il voie comme tout le monde. Et la parole nous dit, il entend des bruits. Alors il demande, mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit, mais c'est Jésus de Nazareth. Jésus le Nazaréen qui passe. Alors il cria disant, Jésus fils de David, aie pitié de moi. Regardez la réaction de ceux qui étaient autour. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Voyez? Et Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. Waouh! Donc, la foi, c'est quoi? La foi, c'est le fait de te focaliser sur Jésus qui est la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Focalise-toi sur ce que Dieu te dit et non sur ce que les gens disent. Parce que si tu t'arrêtes sur ce que les gens disent sur toi, tu ne feras jamais l'œuvre. Si tu t'arrêtes sur les propos des gens, ah, Dieu n'est pas avec toi. Ah, tu es ci. Ah, tu es ça. Ah, tu ne vas jamais, jamais faire l'œuvre. Il ne faut pas que tes oreilles, mon frère, ma sœur, tes oreilles, vos oreilles, mes frères et sœurs, soient, ouvertes sur les propos des gens. Il y a des gens dans la vie qu'il faut carrément ignorer. Je vous dis, il y a des personnes qu'il faut ignorer parce qu'elles ne méritent pas que vous leur consacriez du temps. Il y a des personnes qui ne méritent même pas que vous puissiez savoir même ce qu'elles font. Ça ne les aide pas. Vous leur donnez de l'importance. Donc, il faut continuer à avancer. La meilleure façon, mes amis, de donner, alléluia, une correction aux gens qui vous combattent, c'est de les ignorer. Et c'est ce que Dieu m'a enseigné depuis toutes ces années-là.
Et je vous dis, parce que si vous ignorez ces personnes-là, ou la personne qui veut votre mort, ou la personne qui vous insulte, ou la personne qui passe sa vie sur vous pour vous parler, pour vous critiquer, si vous l'ignorez, entre vous deux, la personne la plus importante, c'est toi qui reste dans l'œuvre du Seigneur, dans le travail du Seigneur. Pourquoi? Parce que on ne peut parler que sur ceux et celles que Dieu élève, sur les personnes qui sont importantes. Donc, il faut faire l'œuvre du Père, continuer à avancer, et les âmes seront libérées. Et je vous dis bien, ce ne sont pas les propos des gens qui vont changer l'appel du Seigneur sur votre vie. Ce ne sont pas les menaces des hommes qui vont changer ce que Dieu a mis sur vous. Parce que ce ne sont même pas les dires des gens, les critiques des gens qui vont éloigner les enfants de Dieu de vous. Parce que Dieu parle à ses enfants. Le Seigneur a dit dans Jean 10, « Je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles ne suivront point les mercenaires. » Dieu parle à ses enfants. Le Seigneur dit, « Mes enfants, mes brebis connaissent ma voix. » Donc si tu es de Dieu et que tu te mets à parler, même si les gens se mettent à te salir, Dieu va dire, « Ça c'est mon enfant, ça c'est ma fille, ça c'est mon fils. » Donc il faut continuer à faire l'œuvre du Seigneur. Il ne faut pas prendre garde au vent, c'est-à-dire à la laine, parce que le vent, c'est « roac » en hébreu, c'est le vent, c'est la laine, c'est le souffle. Donc les gens vont parler parce qu'ils sont essoufflés. Vous voyez, ils vont critiquer, vous critiquez, parce qu'ils sont essoufflés, parce qu'ils sont ils sont mal. Vous voyez, quelqu'un qui est normal ne va pas passer son temps à parler sur vous. Donc vous voyez bien qu'ils sont pas, ils ne sont pas normaux, ces hommes et ces femmes qui se lèvent contre vous. Donc il faut continuer à faire l'œuvre du Seigneur. Et donc ça c'est le vent, dans un premier temps, il ne faut pas observer le vent, il ne faut pas garder, mes amis, garder, parce que prendre garde au vent, c'est aussi garder le vent, c'est garder les propos des gens dans votre cœur, ça vous tue. Ne gardez pas leurs propos sur vous, contre vos familles, contre votre appel. Il faut continuer à faire l'œuvre du Père et ignorer les gens et se focaliser sur le Seigneur. On ignore, mes amis, tout ce monde-là, et on fait l'œuvre du Père, on continue à semer parce que on a la semence, on a la parole, on a des dons que Dieu donne, on a les fruits de l'Esprit, et on continue à faire le travail du Seigneur. Si Jésus s'était arrêté sur les pharisiens, sur les dires des Sadducéens, sur Hérode, sur Pilate, mes amis qui étaient devenus les véritables amis, hein, alors qu'ils se détestaient, parce qu'il y a des gens qui vont s'associer juste pour vous combattre, alors qu'ils ne s'aiment pas. Ils deviennent des amis, c'est des amitiés, hein, des circonstances. Juste parce qu'il y a une onction sur vous. C'est ça, il y a l'appel sur vous. Donc il faut continuer à faire le travail du Seigneur. Voilà. Et que le Seigneur soit béni. Allô, bonsoir. Oui, allô, frère Chora. Oui. Oui, bonsoir. Écoutez, je téléphone pour témoigner, pour encourager les deux sœurs qui partent pour la Chine, parce que comme l'a dit la sœur d'avant, le Seigneur m'a aussi donné beaucoup de songes sur la Chine et me l'a mise dans les prières beaucoup, beaucoup, tout le temps. Je voudrais dire aussi que le Seigneur m'a montré beaucoup de choses cette semaine et vraiment encourager les gens, parce que les chrétiens, parce qu'on est vraiment au temps de la fin, et témoigner que dans mon quartier, dimanche dernier, il y a un père qui a tué un enfant de 24 ans, enfin un jeune de 24 ans qui a tué son père et sa mère. Mes voisins à côté, donc il y a la fille qui se dispute énormément des choses graves avec sa mère. Dans ma propre famille, j'ai des divisions entre ma fille et son père. Enfin, on est vraiment à la fin des temps. Jésus arrive avec son épée, il est en train de trancher, de séparer. Il a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais la séparation. Mm-hmm. Je suis venu vraiment, il est en train de mettre son épouse, son église, de la rassembler et de vraiment faire de grandes, grandes séparations. Nous sommes vraiment en temps de la fin et Jésus est vraiment en chemin. C'est même pas qu'il arrive, il est vraiment en chemin. Nous sommes très, très proches de la fin. Donc je bénis ces sœurs qui partent et je prie que le Seigneur leur ouvre vraiment des grandes portes pour des délivrances, pour vraiment encourager ces personnes de Chine, leur montrer que la France est avec eux, qu'elles ne sont pas seules aussi. Amen, merci, merci ma sœur, merci beaucoup. Que Dieu vous garde. Au merci, au revoir. Voilà, donc, donc vous avez vu, hein, donc, merci en tout cas à ma sœur pour son intervention, ça encourage les sœurs qui partent, parce que nous avons deux sœurs qui partent en mission en Chine pour deux semaines, donc voilà. Et donc celui qui prend garde au vent ne semera point. Alors que le Seigneur dit quoi? Ben nous sommes appelés à, n'est-ce pas, à planter la parole dans les cœurs des gens, à faire avancer le royaume. Et celui qui regarde les nuées ne moissonnera point. Regardez bien. Premièrement, ce verset a deux volets. Le premier volet, c'est la semence. On peut pas semer si on s'arrête sur les dires des gens. Semer, c'est planter la parole dans les cœurs. Semer, c'est faire l'œuvre du Seigneur. Faire ce qui est juste. Car
Galates 6 nous dit quoi? Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Voilà. Donc nous sommes appelés comme des, nous sommes des semeurs. Voilà. Nous sommes des semeurs. Donc il ne faut pas garder au vent, il ne faut pas garder le vent, il ne faut pas garder les propos des gens, il ne faut pas s'arrêter sur leurs propos. Donc il n'y a pas seulement la semence. Le deuxième volet de ce passage, c'est la moisson. C'est la récolte. Voyez? Et celui qui regarde les nuées ne moissonnera point. Point. Pourquoi les nuées? Parce que la semence, elle est sur terre. La semence, elle est dans la terre. Voyez? Donc, celui qui va avoir le regard sur les nuées, qui va observer les nuées, les nuages, il n'aura pas le temps de récolter parce qu'il est occupé à regarder, à observer le ciel, mais pas le ciel où Dieu se trouve, mais le ciel atmosphérique. C'est-à-dire un ciel qui va passer. Donc, celui qui va se mettre à regarder aux choses passagères, aux choses de ce monde, ne va jamais récolter. Parce que Dieu est le Dieu de temps. Donc, ici, nous avons deux temps. Le premier temps, c'est le temps de la semence. Le deuxième temps, c'est le temps de la récolte. Voyez? Regardez ce que le Seigneur a dit, mes amis, dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Merci Seigneur pour ta parole qui nous guérit, qui nous libère. Nous lisons à partir du verset 35. Allô, nous avons quelqu'un en ligne, Simon? Ok. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous dis, levez vos yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Or, celui qui moissonne reçoit le salaire et amasse le fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Et ce que l'on dit d'ordinaire est vrai en ceci. L'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. C'est-à-dire, d'autres ont, quand le Seigneur dit d'autres ont travaillé, littéralement, d'autres ont peiné, ont souffert. Et vous êtes rentrés dans leur travail. Oui. Si des réformateurs comme Jean Calvin, Martin Luther, même s'ils ont fait des erreurs comme tout homme, si les réformateurs comme Guillaume Farel, comme mes amis, bien avant lui, et Paul, Pierre, Jacques et Jean, si ces hommes et ces femmes s'étaient, mes amis, focalisés sur les dires des hommes, notamment sur les critiques de l'Église romaine à leur encontre, ils n'allaient pas travailler comme ils ont travaillé. Il y en a, ils ont dû carrément s'isoler dans les montagnes. Ils ont dû s'enfermer dans des grottes pour travailler dans la moisson. Voyez, pour semer. Ils ont semé quoi? Eh bien, ils ont fait la révision de la Bible. Ils ont travaillé pendant que l'Église romaine les chargeait. Eux, ils continuaient à travailler. Ils s'enfermaient. Il y en a, ils ont fini leur vie seuls, dans la solitude. Il y en a, comme Darby, mes amis, sont restés seuls, délaissés de tous, parce qu'ils avaient une vision. Et aujourd'hui, mes amis, leurs travaux bénissent des milliers de personnes. C'était des gens qui avaient une vision. Si vous avez une vision, ne vous arrêtez pas sur les dires des hommes, sur leurs propos, sur leurs critiques, sur leurs paroles, sur leurs menaces. Ils vont s'associer contre vous, ils vont se liguer, ils vont dire des choses parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils sont méchants. Ils vont vous parler par rapport à ce que critiquer sur ce que Dieu fait avec vous, parce qu'ils n'ont pas l'onction pour faire ce que vous faites, parce qu'ils n'ont pas la puissance, parce qu'ils envient la puissance que vous avez, parce qu'ils envient vos dons, vos grâces. Ils vont parler des choses qu'ils ignorent eux-mêmes. Alors il ne faut pas s'arrêter sur eux, faites l'œuvre, faites le travail. Je sors d'une longue mission, on était en Polynésie française, on était ensuite au Canada, aux États-Unis, et partout, Brazza, partout dans les nations, et on voit les besoins qu'il y a. Nous sommes dans une génération où il y a besoin à la fois de planter la parole et de récolter, parce qu'il y a des âmes qui se tournent vers le Seigneur. Vous voyez, c'est comme si ces deux saisons se sont mélangées. La parole est plantée, et aussitôt on voit les fruits. Les gens se tournent vers le Seigneur parce que les cœurs sont disposés, parce qu'on est à la fin, comme notre sœur qui vient d'appeler nous l'a si bien rappelé.
D'ailleurs, demain, avec la formation de Didasco, pendant toute la semaine, on va parler de la fin de temps. Et demain, justement, comme ce sera en direct aussi, on va parler de la séparation que Dieu, mes amis, opère en ce moment pour préparer l'Église aux noces, au départ. Donc, il faut continuer à faire le travail, mes amis, et l'œuvre du Seigneur, et continuer à avancer dans la moisson et ne pas s'arrêter sur les gens qui peuvent vous combattre tant bien dans vos familles, aussi bien dans vos familles que au travail, avec des collègues, partout. Je ne sais pas ce que vous vivez, ce que vous expérimentez, mais ce soir, j'ai vraiment eu à cœur de vous encourager, de vous exhorter à tenir ferme, à persévérer, car la vie chrétienne n'est pas une vie facile. Il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup de dires, il y a beaucoup de calomnies, mais il faut continuer à faire l'œuvre du Père, l'œuvre du Seigneur, en dépit des propos des hommes, en dépit des propos des femmes, en dépit de ce que les gens disent contre vous, contre vos familles, sur vous. Ils vont inventer des histoires, ils vont vous attribuer des choses, ils vont vous prêter des intentions, mais il faut continuer à faire l'œuvre du Seigneur, et Dieu justifie toujours les hommes et les femmes qu'il a mandatés. N'est-ce pas? Il justifie toujours par les fruits, par les œuvres qui se font. Comme Élie, avec les prophètes de Baal, ils étaient plus nombreux, unis, rassemblés, assemblés tous contre un seul homme. Et Élie a été justifié. Continuez à faire l'œuvre du Seigneur. Dieu vous a appelé, il vous a parlé. Faites l'œuvre. Fermez les oreilles au dire. Continuez à faire l'œuvre du Seigneur. Que vos regards, vos oreilles, vos yeux se focalisent sur le Seigneur, sur la moisson, sur la formation des frères et sœurs, et avancez. Vous savez, un des secrets que Dieu m'a donné pour avancer dans l'œuvre, c'est que je ne peux jamais m'asseoir pour regarder même les vidéos des gens qui nous combattent. Jamais. Les frères et sœurs me connaissent pour ça. Quand les gens parlent, il faut laisser, il faut continuer à avancer. Jamais. On n'a pas le temps. Déjà, je ne regarde pas mes propres vidéos parce que il faut travailler, parce que travailler, c'est pas parce que je ne fais pas confiance en Dieu qui m'a appelé. Mais je veux dire, et Dieu me donne des messages, je transmets, et un autre message qui arrive, il faut travailler. Voyez, donc on n'a pas le temps à perdre. Et vous savez que nous avons commandé encore 10 000 autres exemplaires de la BGC qu'on a retravaillé encore en profondeur. Et donc on n'a pas le temps, il faut travailler, il faut avancer. Même quand on est en mission, on est en train de travailler encore l'œuvre, tout ça. Donc travailler pour la formation sur la formation des frères et sœurs. Donc il y a la moisson est là. La moisson est là. Et la distraction aussi devient grande. Grande. Et j'ai compris pourquoi Dieu m'a dit « Sois seul, écris ». Depuis des années, des prophéties sont sorties depuis 2012. « Sois seul et continue à crier ». Dieu disait depuis 2012, je veux t'isoler pour que tu sois seul pour crier. Je veux enlever tous ceux qui sont autour de toi. Eh bien, Dieu fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Ah, un tel fait quoi, un tel? Mais on n'est pas là pour chercher un tel. Non, on est là pour recevoir la parole et avancer. C'est ce qu'il faut faire, frères et sœurs. Chacun reçoit un appel. Quand Dieu m'a appelé, j'étais seul. Quand il m'a confié la charge, j'étais seul. Et ben, le travail continuera à se faire comme Dieu nous conduit, comme Dieu me conduit. Allô, bonsoir. Oui. Ouais, bonsoir. Bonsoir. En fait, c'était pour intervenir et puis passer quoi de message de la part du Seigneur. Dernièrement, c'est quoi, le Seigneur m'avait parlé sur des choses qui va arriver bientôt. Et à partir de vos enseignements quoi sur l'Apocalypse que j'ai compris ça. En fait, pour les attentats qui se passent ici en France, donc c'est le prétexte qui va apporter pour implanter quoi les gens les puces électroniques en fait. Et puis quand il m'a montré ça, j'ai dit bon. Comme ça, j'ai partagé avec l'Église, parce que ça concerne quoi, l'Église. Il m'a poussé quoi, de lire 1 roi 18, et verset 20 et 21. Donc, j'ai compris là-dessus que quand Élie et les prophètes de Baal se rencontraient et tout, et Élie demandait quoi, au peuple de prendre part. Et il n'y a personne qui prenait part, en fait. Donc, bon.
malgré tout cela, Élie avait quand même fait quoi? Avait quand même fait quoi, l'œuvre quoi, du Seigneur et tout ça. Donc, c'est pour ça que je voulais quand même quoi, passer quoi, le message à propos quoi, de tout ce qu'on voit ici en France. Donc, c'est en fait, c'est ça qui va apporter quoi, les implantations de puces électroniques sur les gens, en fait. Ouais, à la fin, le Seigneur t'a montré que la puce électronique était, comment dire, proposée aux gens, et c'est des choses qui arrivent, qui commencent déjà à se manifester, à se mettre en place dans les nations. Et effectivement, on est à la fin. Continue à, c'est pour cela qu'il faut se focaliser sur le Seigneur, sur ce qu'il veut pour vous, sur ce qu'il attend de nous, plutôt que de perdre son temps hein, sur les cancans, les histoires, un tel a dit, un tel a fait. On n'a pas le temps pour ça. Faisons l'œuvre. Avançons. Faites ce que Dieu vous dit de faire. Et à la fin, on saura qui a travaillé et qui n'a pas travaillé. Voilà. Donc, je voulais aussi quoi rajouter, si c'est possible, de prier vraiment pour la France parce que nous allons passer quoi des moments un peu difficiles aussi en France, parce que cette histoire des attentats, ça va rentrer jusqu'à dans les écoles en fait. Donc, quand ça va toucher quoi les écoles, c'est là où ils vont quoi proposer quoi des pistes électroniques pour bien vraiment. Donc, quand ça va rentrer quoi les écoles. C'est là où les gens vont être sensibles, en fait, pour proposer quoi, des pistes électroniques. Ok, d'accord. On va prier encore davantage pour cette nation que nous aimons beaucoup. Amen. Merci, okay. Merci mon frère pour ce message. Okay, comme ça. Merci pour ce message. Que Dieu soit béni. Merci. Au revoir. Voilà, mes amis, bon courage. Et puis, encouragement en tout cas à tous les enfants de Dieu. Et continuez à prêcher l'évangile. Continuez à chasser les démons. Continuez à chasser Satan. On chasse Satan. C'est clair, c'est biblique. Continuer à faire l'œuvre du Père. Et ceux qui ne sont pas d'accord, ben, ils peuvent aller voir ailleurs. Hein. Ben, nous continuons à faire l'œuvre du Seigneur, à chasser le diable. Faites l'œuvre du Seigneur et avancez. Que Dieu vous garde. Bonne continuation. Au revoir.